Lost in the rainforest, on the east coast of Madagascar, protected by the thick, luxurious canopy, the Longosa, generous, wild, scarlet. Unfamiliar to many, and yet Dior heard of the promise made by its incandescent and generous fruit. And in the leafy garden of Renomafan, a light breeze whispered its secret. Longosa veut dire littéralement éternel. Charge of nunetum longosa. C'est-à-dire, même si tu coupes les longosa, ça renaît éternellement. Le longosa, c'est un peu l'acte fondateur des jardins Dior. C'est surtout cette capacité à se régénérer. Puisque c'est une plante qui ne meurt jamais finalement. Elle se développe d'une part par ses rhizomes. Quand elle est installée quelque part, elle peut y rester éternellement. Et d'autre part, par ses fruits, elle est capable de conquérir de nouveaux territoires. Ces fruits dans lesquels sont contenus des dizaines de petites graines et qui portent vraiment le pouvoir de régénération. Il y a très peu de plantes qui ont cette capacité comme ça. C'est ce qui nous a intéressés, nous chercheurs, à l'étudier de plus près. Nous travaillons avec 8 villages qui ont des parcelles de longosa sur lesquelles ils vont récolter le longosa pour Dior. Les femmes attendent que les fruits soient bien matures, c'est-à-dire bien rouges vifs, pour les cueillir à la main. Parce que seuls dans les fruits qui sont bien rouges, bien matures, qu'on trouve les graines noires qui sont riches en principes actifs que Dior recherche. In touch with nature, Malagasy people know the benefits of longosa plants, traditional remedies, skincare. From the scarlet fruit, women expose the pulp to beautify their skin. A gentle touch for a radiant complexion. Une fois, j'ai vu une très belle fleur et je me suis assis là pour la regarder. Et tout d'un coup, un colibri, il est venu butiner la fleur. Seul dans la région de Renomafan existent les colibris. Et c'est les colibris qui viennent féconder les fleurs de longosa. Sans les colibris, donc il n'y a pas de fruits de longosa. C'est un instant magique qui ne peut se produire qu'ici, à Renomafan. Les fleurs sont extrêmement importantes pour la Maison Dior. Ce sont les végétaux les plus sophistiqués. On a fait pendant des années des études, bien sûr en regardant chaque organe, les feuilles, les tiges. Et finalement, c'est dans la graine que l'on a trouvé cette régénération la plus concentrée. Pour obtenir les graines de longosa, c'est toute une série d'opérations extrêmement précises qu'il faut faire. C'est un véritable savoir-faire. Le fruit va être ouvert délicatement, de façon à récupérer une pulpe qui contient les précieuses graines. Cette pulpe doit être enlevée par une succession de lavages. Ensuite, la graine est séchée de façon à ce que la graine garde toute son intégrité. C'est toute une série d'opérations très précises qui font passer un petit peu au travail d'un orfèvre. Et les femmes de Madagascar ont cette habitude. Et c'est très important que ce soit elles qui réalisent ce travail de façon à produire une graine de la meilleure qualité possible. Il faut que la plante, ça vienne d'un terroir, parce que c'est grâce au terroir que la plante est capable d'exprimer des propriétés.
Donc les jardins Dior, c'est une plante qui nous permet de développer des matières de performance, puisque l'on sait exactement où on pousse la plante. Donc on peut garantir les propriétés qu'on obtiendra à partir de cette plante. Et tout cela fait dans un respect total de l'homme et de la nature. From the ochre roads of the Malagasy forest to the expert hands of Dior researchers, the fate of the Longoza plant is about to change. Its rich ancestral heritage glorified by Dior science. La transformation est un véritable art puisqu'il doit à la fois être respectueux de l'environnement, mais également permettre de conserver l'ensemble des principes actifs contenus dans la graine. Dans le cas de Longoza, nous avons eu recours à un procédé en plusieurs étapes qui démarre par le broyage de la graine dans des conditions très maîtrisées, suivi d'une décantation afin d'obtenir la perle de Madagascar. La perle de Madagascar est un liquide ambré qui concentre les molécules actives du Longoza. Et cette perle de Madagascar est capable d'infuser les produits capture totale de façon à permettre la régénération des cellules souches de la peau. La philosophie des jardins Dior, c'est d'abord s'appuyer sur la nature. Ensuite, grâce à la science Dior, c'est d'interpréter cette nature. Les jardins Dior sont des lieux exceptionnels où se noue le pacte entre l'homme et la nature. Ce sont de véritables aventures humaines qui nous permettent de développer les ingrédients d'aujourd'hui et de demain. Unforgettable garden from Madagascar. From the magic created by a hummingbird to the hand uncovering the amazing virtues of the Longoza. From the Malagasy traditions to Dior expertise. Nature's mysterious power, enhanced by the Maison Dior's excellence. A mystery, perpetuated in 8 other Dior gardens elsewhere. A mystery like an invitation to embark on a journey.